Bienvenue à Saint-Joseph de la Rive. Amour, amour, amour. Je suis amoureux de mon ordinateur. 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 Je m'excuse de m'habiller de même, mais c'est parce que il fait tellement fret à Saint-Joseph-de-la-Rive. Vous comprenez pas comment il fait fret. Bonsoir, c'est Alain du montage et je m'en excuse d'avance parce que mon humour dans cette vidéo-là n'est pas fameux. J'ai vraiment de l'air fatigué ou je sais pas trop, mais elle est pas fameux. Regardez cet extrait. J'ai rien à dire donc c'est pas drôle. Comme dans les cartoons là. Je viens de parler à une madame, puis elle me dit que ça c'est un sentier de marche. Puis ça là que c'est beau. J'imagine que ça c'est comme les places où ce qu'on peut voir. L'homme d'affaires qui rentre dans sa Camaro. On est déjà pour le départ. Je sais pas si j'arrive à bien filmer là. Je crois pas là. On est déjà pour le départ. Ouais. Mais c'est beau ça. Il est comme ça en relief. Explique-nous ça là. On est ici. Ok. C'est les locaux. Ok. Ça c'est bien sympa. Québec est où? Québec est là-bas. Loin là-bas. Ok. Puis l'autre bord c'est quoi? Ici? Ouais. Tu es vraiment pas loin comme la Pocatière. Ici, la Pocatière. Puis là t'arrives à Bulou. Puis là-dedans tu vois tout ça, c'est tout des petites îles. Ou des hauts fonds. Puis à soir on dort où? À soir on va dormir. L'eau. Let's go, on fait de la crème là. On est encore là. Et ben, la vue. Tu vois des bateaux qui s'en viennent de là-bas au fleuve. Tu fais comme un crochet puis tu rentres. J'ai pas vu les champs de récolte là-bas. Ça fait des sympas. Ah! En plus, il y a l'église. Ben voilà, Baie Saint-Paul! Attends, je suis en train de perdre mes culottes. T'as raison. C'est vraiment bon, on va. Oh. Ça sort de terre.
C'est quoi ces culottes là? Des affaires pour chaud au fin ou go go boy? Tu fais. Ça s'arrache. C'est ça, vous mettez de l'île, ça passe à travers des mises en vue, ça descend pas de la côte. Ça laisse plus rien. On est dans la messe. Y'a du monde dans la messe. Paille le rive, paille le rivage, paille, paille la population. On s'en va où? On y va. À l'île aux coups. J'aime. Produit inflammable comme du de l'essence. Ah! Sur le bateau. T'as un drapeau rouge quand c'est pour dire que t'as du produit inflammable okay. Dans le bateau. Puis les véhicules à moteur, ben, ils sont de l'essence. Ouais? À l'abordage! Oh, hey, Paul! Woo! Allez! On va se rendre à l'île aux coudes. C'est drôle de vue, ça. Oh, tu me fais peur. Ça va trop bien. On est arrivé à l'île aux coudes. Là, est-ce que ça sent l'eau de colonne? Ben, c'est parfait ça comme chalet, voyons donc. On peut faire des feux. T'entends ça? Je suis présentement dans un chalet à l'île aux coudes, avec mon grand frère. Puis ben, il a loué un chalet parce qu'il travaille à l'île aux coudes. Puis ben, il a invité son petit frère. Il est gentil, mon grand frère. En tout, ben, j'en profite vraiment. Parce qu'après, ben, c'est l'hiver arrive, puis comme l'hiver va être full dépressif, je sens arriver l'hiver dépressif. J'aime pas ce point de vue-là. Là. Je voulais juste profiter de ce moment de pause là, de pause dans ma vie, dans votre vie, pour être vraiment plus proche de la nature que les champignons. C'est-tu de la comestible? Moi je trouve que c'est un change que oui. Champignons comestibles, forêt québécoise. Voici des informations provenant de la source, Association forestière du sud du Québec. Bon, je vais regarder ça puis je vais vous dire des nouvelles. Du vin blanc, de la bière, ce qu'on veut. On peut venir avec un peu d'huile d'olive si on veut pas manger de beurre. Puis on met des aromates, échalotes, ciboulettes, ail. Puis de là, on a rempli. Après avoir touché des champignons que je n'ai pas pu identifier, clairement, parce que les champignons ont leurs propres caractéristiques, la queue doit être une façon, d'une certaine couleur, avec des certaines choses. Aussi, le champignon doit être chaud. En tout cas, j'ai fait des recherches durant 30 minutes, puis ben, j'ai pas réussi à l'identifier. Tout ben, il faut que je me lave les mains.
Bonjour, c'est Alain, beaucoup plus préparé que ce que vous venez de voir. Ce que vous venez de voir, c'est moi qui ai accueilli des champignons et je voulais déterminer si c'était des champignons comestibles. Mais pour déterminer si c'est un champignon comestible, il faut savoir sa nature, son nom et savoir quelle est sa sorte de champignon puis son nom est vraiment important. Parce qu'il y a plus de 2000 champignons au Québec et bien, les caractéristiques de chaque champignon changent, comme le bulbe qui est le dessus du champignon peut être d'une certaine couleur, d'une certaine grosseur, même d'une certaine texture et même d'une certaine odeur. Même l'intérieur, vous voyez les lignes à l'intérieur des champignons ou même il n'y a rien parfois. Là. Mais ça aussi, ça sent, puis quand tu le coupes, il peut avoir du... de quoi de blanc qui peut sortir, ou peu importe. Puis aussi la racine du champignon, ben, ça dépend de leur grosseur, de sa couleur même. Il y a beaucoup de caractéristiques des champignons qu'il faut prendre en compte quand on mange des champignons. Mais au Québec, il n'y a pas vraiment de champignons toxiques. Là, je me trompe, ok? Là, je me trompe. Et bien là, je m'excuse, mais c'est à faire vos propres recherches. Dans le commentaire de la vidéo, j'ai écrit des recherches que j'ai faites à propos des champignons. Et si vous êtes vraiment plus intéressé à propos des champignons québécoises, ben il y a des fermes au Québec qui produisent des champignons. Et ça, c'est vraiment le fun. J'aurais tellement voulu interviewer quelqu'un, mais j'ai pas vraiment le temps. Et j'ai pas vraiment les contacts, en fait, parce que moi, j'ai tendance d'aller sur Insta, mais en fait, en tout cas. Si vous voulez plus de description, allez dans la description de la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir, parce que j'ai mis beaucoup d'efforts. Voilà, j'ai tout dit à propos des champignons, on peut passer du reste de la vidéo! En tout cas, je suis content, j'ai appris des informations à propos qu'il y avait des fermes de champignons au Québec. Ça, c'est le fun à savoir. Mais c'est parfait ça, des beaux pommiers. Si tu veux faire là. Ouais, filme-moi, on filme n'importe quoi. Es-tu en direct là? Faut que je passe à Pita? Non, c'est toi peut-être filmé. C'est bien drôle, ça. J'ai mal squeezé ça. En tout cas, cancellez-moi pas ici. Bon, on va goûter. Puis, t'as encore différent des autres? Moi, goûte. Dans cet extrait, on voit comment on fait pour cueillir une pomme. Pour cueillir une pomme, il faut la squeezer, mais tu peux pas la squeezer infiniment. Il y a soit deux techniques. C'est soit que tu la squeezes ou c'est soit que tu la tournes quand tu la cueilles. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est la pomme et la pomme est sur le pommier. Elle est sur le pommier là. C'est soit que tu la squeezes comme ça, tu la tournes, ou c'est soit que tu prends ta pomme puis tu la passes par-dessus. Puis là, c'est supposé te casser, puis pas briser le bourgeon! T'es supposé de squeezer la pomme, pour ne pas briser le bourgeon. Dit-il après. Là, ça marchait. Plus l'avantage, là, qu'il n'y a pas de chevreuil. Ils n'aiment pas manger. Voici des chevreuils durant la nuit au parc national Fundy au Nouveau-Brunswick. Ouais, tu vas manger mon dog pareil, puis tu vas être content parce qu'il se rend en bas. D'accord. Moi, je me dis pas avec du beurre, je me suis fait du barbecue. Pas pareil.
On a été cueillir des pommes. Ma nourriture de la semaine. On est à la pointe est de l'île au coude. Et ben, il y a un petit monument. Donc, on va parler dans la voiture, là. Attends, vous voyez les lignes de montagne, toutes là. C'est ça, c'est les pistes Appalaches. C'est ça? C'est là, les pistes Appalaches. Les Appalaches sont là-bas. Et là, c'est le bouclier canadien. Ok, c'est comme pour nous protéger contre les extraterrestres. C'est on est encore sur les Appalaches. C'est pour nous protéger contre les extraterrestres, ouais, un bouclier canadien. Ouais, contre la bombe nucléaire. Et là-bas, c'est les pistes Appalaches. Je les ai faites quand j'étais jeune. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. De la sédimentaire. Elle est pas l'autre bord. L'autre bord, c'est de l'igni métamorphique. C'est comme du granit. On va aller voir l'autre bord. Mais ça, tu vois, c'est flagrant parce que c'est comme... c'est hors de l'eau. Hein. C'était lavé. Il faut que c'est propre. C'est comme du gris. Mais franchement, j'ai tout du rouge. Au lieu de prendre ça, c'est la terre rouge. C'est comme la grise. Ok. T'en as voir ici un peu du sable bleu. Bon, je pense que c'est plus les algues. L'église Stegi-Sisset a été fondée en 1885. Peut-être c'est l'église Saint-Louis peut-être. Il y a aussi des petites chapelles à côté de l'église. Là, il y a qui? Il y a Marie. Ouais, je pense que c'est Marie. Marie est là. Ben, Marie est dans la place! On voit les deux traversiers. On voit le quai juste au bord. On voit le quai juste au bord. Mon extrait préféré de la vidéo, c'est moi qui fais une tarte aux pommes! Et on l'a appelé la tarte aux pommes à l'acadienne sur les Logood. Et je tenais à m'excuser parce que je mets pas de musique dans cette vidéo-là. Parce que je sens que... Ben moi, quand j'étais en voyage là-bas, je n'avais aucun écouteur dans les oreilles. Et j'ai envie que vous, téléspectateurs, vous ressentez qu'est-ce que moi je ressentais. Ce qui veut dire le vide. Les oiseaux qui chantent, parce que c'est ça le Canada, c'est le vide des oiseaux qui chantent, ben moi c'est de là ce que je viens là. Ah, j'espère que vous appréciez parce que je vais fouler les pas. Voici mon concept de tarte aux pommes. Tarte aux pommes à l'acadienne. Une tarte aux pommes à l'acadienne. C'est le nom que ça s'appelle. Tarte aux pommes à l'acadienne faite sur l'île au coude. Oh, mais elles sont trop bonnes! Bob ajoute une tarte explosive. Puis là, il pense que Bob va exploser à la fin de la...
Ben, c'est fabuleux, ma tarte. Elle est fabuleuse, ma tarte. Moi, je pense à cause de la bûche, elle brûle lentement. Ça marche pas? Le feu est pogné, mais c'est une bûche qui brûle justement sur l'appareil. C'est encourageant. Si là, il est ouvert là. Tu vois, t'es obligé de te mettre la tête dans le feu. C'est pas le moment du petit débriefé. Ça vient du terme débrief. Ça vient du terme débriefé. Et débriefé veut dire rediscuter de ce qui s'est passé ou de ça que j'ai expliqué dans des meilleurs mots beaucoup plus scientifiques. J'essaie de spécifier mes mots parce que j'ai une amie dans ma classe qui est... Elle parle pas français, zéro et une barre. Et ben, elle veut apprendre le français, mais elle connaît pas tous les termes. Ben, c'est génial, elle veut apprendre les termes en français. Mais c'est génial. On va parler du débriefage. Un matin, on a commencé la journée à être à Saint-Paul, à Baie-Saint-Paul. On a commencé la journée à Baie-Saint-Paul. Après, on s'est dirigé vers un restaurant pour manger. Après, on s'est rendu au traversier pour aller à l'île aux coudes. Là, ce que j'ai passé la journée à vous vloguer, on a été cueillir des pommes, on a été à l'appartement, on a fait une tarte, on a mangé des hamburgers. Après, ben, c'était ça ma journée. Après, ben, j'ai fait de la vaisselle, on a fait un feu, puis ben, c'est quand même une journée très fournie. Mine de rien, c'est énormément fournie. J'espère que vous avez aimé ma vlog, puis j'espère vraiment que je me suis amusé à monter ce vlog-là. Moi, je m'amuse à monter ces vlogs-là, moi j'aime ça monter. Moi aussi, j'aime ça monter! Mais la chose que j'aime pas, c'est la promo des vidéos. Ah, je sais jamais quoi faire. Pour de vrai, je publie ça dans la stratosphère et regardez ma vidéo, j'ai mis full départ! Ouh, il me faut les étoiles dans le noir. Amour! Amour, amour. Je suis amoureux de mon ordinateur. 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 Je suis amoureux de mon ordinateur.